suis dans la voiture. Je vais rejoindre Marc Lavoine et toute l'équipe AFM. Avec mon papa. Coucou. Là, on est en train de rentrer au Généthon. Avec plein de gens. Salut Lorraine. Là, on arrive au Généthon. Tout le monde, tous les ambassadeurs, toutes les familles, tout le monde. Et c'est la fête. Dernière fournée. Et là, regardez, là, je vais faire attention, mais il y a un truc assez dangereux. Normalement, les fauteuils n'ont pas le droit d'y aller, mais j'y vais quand même. Attention. Voilà. Ah bah voilà. Ah Nicolas. Ah bah voilà, ça s'est arrêté. Ouais. Nathan Marc Lavoine. Le Téléthon, c'est le combat des papas aussi. Pas seulement des mamans et des enfants. Les papas, c'est important. On pourrait se faire des bisous. Entre papas. Entre papas. C'est marrant. Toutes les cellules d'ADN de 450 maladies environ. Ça s'appelle une banque, je ne sais pas pourquoi. Et là, c'est impressionnant, il y a plein de cubes. Je ne sais pas encore ce qu'il y a dedans. Ah, ben tu vas voir. Et là, on va ouvrir cet engin. Alors, maintenant, on va ouvrir ça. On ne touche pas. On regarde, mais on ne touche pas. C'est impressionnant. Venez, Safa. À quelle température là? On est à moins 196 degrés. Donc, on est à moins 196 degrés. Moins 196. Ouais, c'est de l'azote, non. L'azote liquide. Et dans chacun de ces tiroirs, non, tenez ça, hop, c'est bon. Mais là, c'est pas trop froid, là, quand on touche. Ah, c'est glacé. Voilà, et dans ces tiroirs, nous avons des petits échantillons, ça va aller pour l'instant. Des échantillons de maladies rares. Et dans chacun de ces tubes, il y a de l'ADN ou des cellules qui viennent d'un patient ou d'un membre de sa famille. Papa, j'ai mal au doigt, il est gelé. Je prends l'ascenseur. Parce que, évidemment, je ne peux pas descendre les escaliers. C'est bête. Et ouais. On va rentrer dans mon père. Et on rentre dans mon papa. Et non. Je viens de parler avec le directeur du Généthon qui sait beaucoup, beaucoup de choses. Mais bon, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui avancent. Mais je ne sais pas vraiment si pour moi ça marchera. Du coup, là, je suis pas très bien parce que je sais pas trop, c'est pas rassurant de me dire que mon cœur il peut lâcher à tout moment. Et du coup, je suis un peu angoissée, mais bon, c'est comme ça. Serge et Nico en train de faire le point sur l'état, sur l'avancée de la recherche. Il y a du taf, il y a du chemin. On sait exactement où sont les personnes comme toi, on peut les trouver. Et le jour où il y a un essai clinique qui se profile, on fait appel à ton médecin pour lui demander si éventuellement il pourrait t'inclure dans un essai. Et là, on est coincé en fait, parce qu'on attend qu'on vienne nous ouvrir. C'est déjà la deuxième fois de suite. Il y a Léo, son frère. Donc pour les parents, les enfants, peut-être. Et c'est tout. Voilà, là je suis sur l'autoroute. La nuit, il fait pas très beau. Et je rentre chez moi après la visite du Généthon et la rencontre de Marc Lavoine. Donc là, je vois un long nez au loin. C'est un camion où il y en a beaucoup en Amérique. Et là, pour la première fois, je le vois en France. Donc c'est impressionnant. Et un petit sandwich, une petite pause sur la route du retour. Et après, ça ira mieux. Tiens, on va te dire un truc. Moi, je prends un chocolat chaud, c'est trop bien. Il est trop froid en plus. Nous ne sommes pas plage de naturistes, contrairement à ce qui est écrit juste au-dessus de la tête de Nico. Mais nous sommes beaucoup moins glamour du côté de Nevers, entre Nevers et Moulins. On va aller faire une pause sur l'autoroute et puis s'y faire un chocolat chaud. Yes! On n'est toujours pas arrivé. Il nous reste plus que 15 minutes de route environ. Ça se voit un peu sombre ce truc. Et on sera enfin arrivé chez nous.